Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'un Montier du mercredi 2 juillet. Au sommaire de cette émission, une journée dédiée à la mobilité douce, la fête annuelle du centre social Les 4 Saisons, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu. Dans le cadre d'un concours initié par le département du Nord, la ville d'Armentières a organisé une journée de promotion sur la mobilité douce auprès de jeunes enfants des centres aérés le mercredi 25 juin au complexe sportif Léo Lagrange. Un programme varié les attendait, parcours de trottinettes, de rollers et de vélos avec de nouveaux matériels financés par le département du Nord et le tout sous le regard bienveillant de nos animateurs qui ont sensibilisé les enfants aux règles essentielles de sécurité. Roulez jeunesse! Le centre social Les 4 Saisons a organisé ce samedi 28 juin sa fête annuelle. De nombreuses activités ont fait le bonheur des plus jeunes. Château gonflable, tir à l'élastique, stand de maquillage et de jeux flamands, course en sac et sa traditionnelle pêche au canard. Cet après-midi a été également rythmé par différents ateliers de country, de zumba et de hip-hop. Ce moment festif et convivial a perduré toute la nuit autour d'un barbecue et d'une animation musicale. Les fêtes de la Lys vous donnent rendez-vous dimanche 6 juillet de 8h à 18h au boulodrome du complexe sportif Léo Lagrange. Vous y retrouverez de nombreuses nouveautés. Cette année encore, la ville d'Armentières et l'espace naturel Lille Métropole ont uni leurs forces pour proposer un 14 juillet vraiment pas comme les autres. À la fois solidaire et exotique, entre invitation au voyage et découverte des richesses associatives locales, les plages du bout du monde sont de retour auprès du web. Rendez-vous le 14 juillet à partir de 11h du matin. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain.